Jean Santé annoncé depuis la campagne président Jovenel Moïse, il était fait qu'on est avant qu'elle quitte le pouvoir, la baille courant 24 sur 24. Eh bien, journée jeudi à même, Moun Jacmel et Moun Gregoav témoignaient qu'il y avait 18 temps courant chaque jour. Côté que, yo pral fonctionner en toute sécurité parce que, depuis yon côté ge fait noué, donc, lira les plus insécurité. Ti moun yo ap ka étudier pi bien, et au même tout yo capable aller vendre les soirs parce que, courant bay, depuis 6h du soir pour jusqu'à midi nan matin. Entendez quelques paysans qui tap témoigné. Oh, bah, nous, depuis nan 6h du soir, il a pour bon à midi. Ok? Par contre, moi, pour marcher très bien, je souhaite que nous-mêmes, et qu'on serve dans le courant, nous avons une responsabilité, nous, et puis, pour nous toujours gagner le courant. C'est un bagage qui fait nous plaisir, c'est un bagage qui fait nous content au niveau Gangouab. Ça permet tout, et les vieux sont capables de jouer un petit courant pour fonctionner. Ils sont capables de jouer un petit courant pour étudier l'histoire. Et les petits machins sont capables de jouer un petit façon de passer tout pour vendre Bola Rio, capable de vendre des petits dos glacés, tout ça. Ça, c'est un bagage qui fait nous plaisir au niveau Gangouab. Je souhaite pour vous avoir plus d'énergie à tout parce que vous avez des gens qui ont fait la caille, qui ont fait des glaces, qui ont dégagé. Les bagages ont fait la zone plus désolée. Tant que Gangouab, la réaction de Jacmel n'est pas différente. Il fait qu'on ait ça pour une amélioration dans le fonctionnement, dans le loisir et puis l'économie. On est à Ubanoli 6h après-midi, nous prenons à midi. Là, avec des livres plus bons parce que. Là, nous pas de jeune du toit, nous avons fait 3-4 jours, nous pas de jeune courant. Même là, nous avons fait un petit courant là. Là, ça, c'est au cinéma lié parce que nous avons fait tout le monde après, dit bravo, bravo, nous avons fait courant, nous avons courant. Mais nous avons fait la vie, nous avons fait courant. Ailleurs, tout le monde est tout le monde, c'est la glace qu'on a acheté avec la friseur. Pour nous, j'ai fait un tourner pays étranger. À même moment, nous avons débloqué la friseur. À même on va acheter un bien avec côté Jacmel là forme tel dans l'eau pour bien mais ailleurs pas comme ça chaque jour sur les gars de télévision pour garder si on veut étudier pendant le coup l'école là pour ta étudier parce que sans lumière tu ne pas ta étudier les autorités ta tu peux constater bon parce que tout temps gain courant dans pays donc grand pile qui va faire. Il y a des gens qui ont fait la décrétie parce que c'est au monde qui a eu la lumière. Mais il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant. 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 La police démantelé un réseau nègre qui a fait faux papiers ou bien faux documents et faux sauts pour vendre les gens. 8 nègres, n'importe papier ou besoin, il y a baouli. Yo même kaba ou certificat de bonne vie et mœurs, la police présente visage monsieur sa yo et fait yo parler. Et il y a une arrestation qui fait tout dans le cadre, l'enquête qui vous fait soit tout double ici, pasteur Jean-Louis François avec madame Lé, qui c'est madame Sama, exilant lui. Et où cache la séduction? Je nous ai souligné jusqu'au début, la fin des disciplines et sens de professionnalisme, tout journaliste qui l'a dans la conférence de presse spéciale s'agence. Donc, on apprend seulement après la conférence de presse là, est-ce que tu as gagné aussi après seulement 3 questions et après un modérateur capable d'identifier les médias
qui peut poser question. Ça que va suggérer nous à ce confrère, concerter. Nous tout a changé le 6 juillet 2018 dans la carrière 3. Pendant une situation de trouble, et nous sommes comme ça, des bons policiers qui étaient nourris. Ce policier Robert Scott, 18e promotion, PH3, qui a affecté dans le BAP, député dans le cachet sur le pays. C'est pour une unité d'intervention qui est dans la pénétration nationale. Monsieur Mindé, James, sans peur. Monsieur Céline Amour, qui est indexé dans l'assassinat du policier Robert Scott, qui est une 18e promotion, le 6 juillet 2018, dans la carrière 3. Le CPJ a été le 1er novembre et fait partie d'équipe membre du 400 Marozo et la clameur publique dénoncer monsieur comme monde qui non, fait partie du 400 Marozo. Arnold Joachim. Des armes qui saisissent au niveau de la direction départementale de l'Ouest. La poêle de plusieurs calibres, 12, la poêle pistolet de calibre 9 mm et d'autres calibres, et la poêle tout des armes d'eau artisanales. Alors, ça, c'est dans les 4 opérations qui sont faites au niveau du commissariat et qui sous commandement et direction départementale de l'Ouest. C'est ensemble des armes. Entre autres, moi t'as voulu porter un élément de réponse, à savoir question. Juma. C'est ce que ce policier qui est mort dans le cadre de l'opération dans l'hôtel sous Delmar. Et moi crois que le porte-parole policier a parlé de ça. Et moi pas pour le moment qu'on est qui dernière évolution. Qui fait que on va en mesure pour me porter une réponse pour le moment à question ça. Sous même cause insécurité ça, ministre justice là qui c'est Rockefeller Vincent, te bail une conférence de presse jeudi à même. Il fait qu'on est affaire bandi cap taille banda ça. Donc ça cap vini yo là, c'est pas bagaille petit parce que c'est zéro tolérance qui pral gagner. Elle fait appel avec la police pour dégager au pressé prendre toute responsabilité yo façon pour population ka vive et fonctionner en toute sécurité. Pour le dossier Evelyne Saint-Saëns, dans ce dossier la jeune écolière sauvagement assassinée le dimanche 1er novembre, son cadavre a été découvert sur les détritus à Delma 24, le juge de paix de Delma, maître Jean-Fleury Raymond, a procédé au constat du cadavre. Après ce constat, le parquet de Port-au-Prince a donné délégation de pouvoir à la DCPJ pour approfondir l'enquête. Le nommé Obed Kiki Joseph a donc été arrêté lundi 9 novembre à 3 heures du matin
à Delma 24, une opération de la PNH a permis de mettre la main au collègue de Éval Dormesson et Michel Jerry Domersan pour leur implication présumée dans l'assassinat de la jeune écolière. Ils sont tous passés aux aveux. Mercredi 10 novembre 2020, le CG de Port-au-Prince a adressé une correspondance au docteur Armel Demorcy qui a réalisé l'autopsie du cadavre. Un gang armé a été démantelé à Gromon, zone Tidavi. Ce gang a tiré sur le cortège de la première dame sortant de Port-de-Paix pour rentrer à Port-au-Prince. Le chef du gang, Verdeus, après Dieu, alias Thibout, a été arrêté au Gonaïve. Donnel Souffrant, un autre membre du gang, a été arrêté à Grepin. Ces malfrats ont aussi participé dans l'assassinat d'un inspecteur de police à Bassin-Bleu. Le 4 novembre dernier, Jean-Patrick a été arrêté pour enlèvement et séquestration. Ce dossier est au cabinet d'instruction et j'ai eu des rapports sur une kyrielle d'autres cas similaires. Donc, travail là a continué sans prendre souffle. J'exige de la PNH de lancer une opération tolérance zéro contre le kidnapping qui décapitalise toutes les couches de la société et qui nuit à la quiétude d'esprit des citoyens paisibles. La PNH doit identifier les foyers et réseaux de kidnapping et agir efficacement et professionnellement afin de mettre cette truand hors d'état de nuit. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est là que nous finissons avec un bulletin d'information pour Jodia. C'était Zami Pau, Foucault, Zami Information, qui t'aborde tout ça qui t'a fait actualité dans le pays d'Haïti pour Jodia. Rendez-vous cassé pour demain si Dieu veut. Déjà, passez une bonne nuit. N'a croisé une autre fois.